Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous terminons ce mois de septembre. Nous sommes lundi 30 septembre 2024 et nous commençons une nouvelle semaine. Demain, nous entamerons la première semaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Donc, on commencera par la petite pensée positive, n'est-ce pas, la philosophie, la petite philosophie du matin. J'ai pris pour cette semaine l'oracle du chemin de soi et on terminera par la sagesse Ho'oponopono. Et la petite pensée de ce 30 septembre, savoir se relaxer. Pour trouver le calme, il faut savoir se relaxer plusieurs minutes par jour. Et s'obliger à cette douce contrainte. Eh bien, j'ai pigé aujourd'hui. Ne te noie pas dans des douleurs anciennes sous prétexte qu'elles t'ont blessé. Restes-tu à quatre pattes simplement parce que tu es arrivé au monde sans savoir marcher? Cette carte, elle représente qu'il y a des lâcher-prise à faire, en espérant que vous avez fait ces lâcher-prise et que vous avez fermé des portes de ce que vous avez vécu. Alors, côté sentimental, eh bien, on vous invite à de faire attention, de ne pas faire porter le poids de vos anciennes blessures sur une histoire nouvelle. Vous pourriez peut-être être dans un nouvel amour, mais dites-vous bien que ce que vous avez vécu dans le passé, il faut vraiment le mettre derrière vous, n'est-ce pas? Ce qui a été reste lié au passé et n'est plus d'actualité ici, présentement. Et on vous invite à créer votre présent et de ne pas vous perdre dans les couloirs du temps, dans ce que vous avez vécu. Dites-vous bien que le nouvel amour qui arrive ou que vous êtes en train de vivre, il ne faut pas comparer cette personne à ce que vous avez vécu. Laissez ce que vous avez vécu derrière vous. Et j'espère que vous avez fait ce travail pour cette ancienne relation. Professionnellement, eh bien, on vous invite à vous faire confiance. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous savez, tout peut être recommencé. N'oubliez jamais que vous avez la capacité de tout réussir, comme celle de vous laisser tomber, n'est-ce pas? À vous de choisir. Est-ce que vous prenez la gauche ou la droite? La droite, c'est réussir. À gauche, c'est vous laisser tomber. Voilà. Vous seul est maître de votre décision. Côté finance, eh bien, on vous invite à ne pas rester bloqué sur ce que vous avez perdu. Les finances n'apportent aucun bonheur réel. Elles apportent certaines facilités. Ne vous perdez pas dans les idées toutes faites, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard pour trouver votre équilibre financier. Et je termine avec le côté spirituel de cette carte. Votre chemin spirituel existe pour et par vous. Ce que vous avez vécu dans la joie ou ce que vous avez vécu dans la tristesse participe à votre évolution.
Apprenez à vous détacher des douleurs anciennes pour ne pas vous noyer dans la souffrance. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? Quel beau message, vraiment. Il y a des portes à fermer pour avancer. Et dites-vous bien que tout ce que nous vivons ici sur Terre, du bon comme du mauvais, comme de la tristesse comme de la joie, mais ça fait partie de notre évolution. Ça nous fait grandir. L'émotion de la joie nous fait grandir. L'émotion de la tristesse nous fait grandir. Tout nous fait grandir. Nous sommes ici pour expérimenter et nous expérimenter des joies et nous expérimentons de la tristesse. Mais ça nous fait évoluer dans notre cheminement ici sur Terre. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, nous avons le libre arbitre. Nous avons toujours le libre arbitre. Très, très, très beau message, n'est-ce pas? Belle guidance, en fait, hein? Belle guidance pour ce lundi. Et je prends une carte dans... Hop, j'en avais pris deux. La sagesse d'Oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Waouh! Eh bien, je trouve que ça a une bonne synchronicité avec cette carte 29. De cet oracle. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main, en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Très beau message, n'est-ce pas, d'Ho'oponopono? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour entamer ce mois d'octobre, que cela passe vite. Donc demain, mardi, d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.